Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, de nouveau moi Rose Mounie. Aujourd'hui nous allons tout simplement vous montrer comment chasser les odeurs des chaussures. Pour éliminer la mauvaise odeur de nos chaussures, il y a différentes astuces. À vous de voir celle qui vous correspond au mieux. Mais avant de rentrer plus en plus dans les détails, pensez à vous abonner ici. Pensez aussi à ceux qui n'ont pas la possibilité de regarder cette vidéo. Partager pour que ça touche un maximum de personnes. En numéro 1, nous avons le bicarbonate de soude. Versez une cuillère dans chacune de vos chaussures et laissez toute la nuit. Appliquez ceci chaque jour. Vous allez avoir un meilleur résultat, plus aucune odeur. Toujours portez les chaussettes dans les chaussures. En numéro 2, l'astuce numéro 3, utilisez du talc. Sachez que le talc absorbe l'humidité et élimine les mauvaises odeurs. Ce qu'il faut faire, mettre un petit peu de talc dans chaque paire de vos chaussures et laisser passer la nuit. Par la suite, retirez cela le lendemain matin. Mettre aussi sur la plante de vos pieds pour éliminer la transpiration. En numéro 4, éliminez les bactéries. Pour cela, utilisez les feuilles ou la poudre de sauge ou même de l'huile de lavande car elles éliminent les odeurs. Ensuite, laissez les chaussures sur le balcon pour que l'air frais élimine les bactéries. En numéro 5, l'orange, le citron et le pamplemousse. Mes amours, sachez que la peau de ces trois fruits sont très excellentes pour éliminer les odeurs. Mettez leur peau dans vos chaussures toute la nuit. Ça va tout simplement être incroyable. En numéro 6, nous avons l'arbre de thé. Cette huile est un très grand désinfectant naturel. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans beaucoup de vidéos. Mettre quelques gouttes sur la semelle des chaussures, le faire deux fois par semaine et ceci va enlever les odeurs et les bactéries en un moins de temps. En numéro 7, cherchez déjà l'origine des mauvaises odeurs de vos pieds. En numéro 8, avoir une hygiène des pieds irréprochable. En effet, vous devez éviter de porter des chaussures fermées chaque jour. À la maison, changez de chaussures. Vous pourrez par exemple mettre des chaussures ouvertes et laisser vos pieds s'aérer. Gardez toujours vos chaussures propres en les frottant et en lavant. Non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Bien sécher vos chaussures au soleil pour pas qu'il y ait d'odeur suite à l'humidité. Maintenant, en numéro 9, vous devez prendre votre chaussure, mettre du lotus ou même du papier hygiénique à l'intérieur sur la semelle. Mettre un sachet de thé dessus et attendre 60 minutes. Ensuite, le retirer. Lavez vos pieds avec de l'eau et utilisez de l'huile d'olive en massage. Ensuite, essuyez vos pieds avant de vous chausser. Mes amours, en numéro 10, je vous conseille de mettre vos chaussures au congélateur. Non, ne riez pas. Mettez vos chaussures dans un sac en plastique, puis dans le congélateur pour toute la nuit. Cela tuera les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Le bicarbonate de soude aussi est très efficace. Saupoudrez une bonne dose de bicarbonate de soude dans vos chaussures. Laissez la poudre agir pendant la nuit. Ces conseils sont uniquement à des fins d'information éducative. Ça ne remplacera jamais un diagnostic ou même le traitement d'un médecin. Consultez toujours votre médecin si vous avez des questions ou même des problèmes de santé. Mes amours, souvenez-vous, l'existence c'est d'abord de jouir d'une bonne santé et de vivre une belle vie. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si jamais vous avez besoin, contactez-moi sur ma page Facebook Passion Passion ou même encore Roselyne Mounie sur Instagram. Je vous aime mes amours et merci de partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous bisous!